Salut tout le monde, c'est Akiba. Et Thanatos. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, vous l'aurez compris, pour Dead Space 3. Fais-nous. En fait, j'ai cru que t'allais dire un truc par rapport à ma Non, prestation de Dead Space 3. j'avais rien à dire, tu fais ça très bien. Oui, non, mais en fait, j'ai fait une référence à un truc que tu aimes bien, Level 1, avec Ouais. Time Crisis. Et après, il dit Ouais, 3. voilà, ouais. Trois. Enfin bref, passons. Donc, Dead Space 3, Thanatos, nous ferais-tu l'honneur d'un tour du propriétaire comme il se doit? Ah oui, je fais ça tellement bien. Alors, c'est C'est toi édité qui trouves par... ça bien. Pardon? Non, rien. Oui, continue. Non, non, bon, bref. C'est édité par Electronic Arts, c'est développé par Visceral Games, c'est du survival horror, parce qu'il y a du sang. Oui, vas-y, continue. C'est sorti en France le 8 février 2013. C'est déconseillé aux moins de 18 ans. C'est jouable en solo et en coopération online, mais pas de mode local. Merci de toutes ces précisions qu'on ne t'a pas demandé, mais c'était très bien. Ouais, J'ai non envie de mais... t'applaudir, j'ai envie. Waouh! Non, je rigole, là je me fous de ta gueule en fait. Ouais. Et après, on dit que c'est moi qui suis pas sérieux dans mes tests, hein? Et alors? Je ne suis pas sérieux. Et alors, tant que je reste professionnel. En ne disant pas de la Même... merde, je parle. Attention, quand je parle de professionnalisme, je parle bien sûr de ne pas dire de la merde concernant le jeu. Voilà. Mais nous précisons, nous ne sommes pas des professionnels. Exactement. Nous sommes des amateurs comme tant d'autres. Voilà, des testeurs comme tant d'autres. Vous êtes tombés sur notre page par hasard. Non, pas par hasard, vous avez voulu venir. Vous aimez Oui. ce que vous regardez en ce moment. Venez, venez, Vous aimez le son de restez. ma voix. Est-ce que tu aimes les torses poilus? Non, je Voilà. rigole. Bon, on va arrêter un peu le Bon, on peut délire. revenir au jeu, s'il te plaît, là. Exactement. Donc, tu m'as invité, j'espère. Oui. Je vous évite le passage du. On va regarder les menus, on va aller voir ce qu'il y a dans les options. Voilà, Voilà. comme tant de gens le font, donc on va faire vite fait. Solo, tout seul, coop, plusieurs, deux maximum, deux minimum. New Game Plus, rejouer avec ses ressources et tout ça, ainsi que des nouveaux modes, fou furieux. Bon, je vais quand même le montrer ça en fait. Ouais. T'es d'accord ou Bon, pas? pas la peine de s'attarder, oui, sur les Voilà. modes de Alors, difficulté, fou oui. furieux, un mode très difficile, pour dire ce qu'il y a. Vous n'avez pas de sauvegarde. Il y a une technique qui existe en fait où il faut transférer parce que. Putain, je suis obligé d'expliquer là. Dans le mode fou furieux, en fait, vous ne pouvez pas sauvegarder manuellement. Vous ne faites qu'avec les sauvegardes automatiques. Dès que vous mourrez, les sauvegardes automatiques, en fait, elles s'effacent et vous reprenez depuis le début du jeu. Il y a une technique qui existe consiste à copier sa sauvegarde sur clé USB. Voilà. Ouais. Survie totale, mode un peu difficile où tout doit être créé grâce à l'établi, vous verrez ça plus tard. Le mode classique où le mode de coop est désactivé et que vous pouvez jouer qu'avec des armes classiques. Donc voilà quoi. Donc voilà. Est-ce que tu Voilà. confirmes mes dires sur les modes ou hein, t'as un Oui, truc à rajouter? tu expliques ça très très bien. Merci, je sais. Et donc maintenant je vais te rejoindre parce que c'est ça la plus grosse nouveauté de ce Deep Space, le mode coop. Voilà. Comme j'en parlais dans le tour du propriétaire. Oui, exactement, oui, tu nous en parlais dans le tour du propriétaire. Parce qu'ils nous ont quand même retiré ce mode merdique multijoueur qu'on avait eu le droit dans le 2. Ouais, c'était clairement de la merde, quoi. Et ils nous ont mis un mode coop qui est, ma foi, sympa. Moi, j'ai bien aimé. Bon, mis à part Puisqu'il c'était ra... avec toi, tu vois, c'est ça le problème dans le mode coop, c'est que j'ai joué avec toi. Mais sinon, c'est bien. Un mode coop, j'en viens à en parler maintenant, hein, qui rajoute tout de même des missions annexes, donc un rallongement de la durée de vie, quoi. Voilà, D'ailleurs, je peux parler trois de la missions durée de vie. annexes en fait. Ouais. D'ailleurs, je peux parler un peu de la durée de vie, vu qu'elle est à peu près. Nous, personnellement, on a fini le jeu en plus de 15 heures, quoi, en fouillant et en faisant toutes Voilà, les missions annexes. en prenant. Non, on n'a pas fait toutes les missions annexes, mais en faisant la plus grande majorité. Oui, on a. Bah, vous avez vu d'ailleurs, quand j'étais à l'écran de chargement de sauvegarde, je suis à 19 heures de jeu. Voilà. Donc, l'établi, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que j'en parle? Non, non, je te laisse en parler. D'accord. Alors, l'établi, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport au mode survie totale où on devait tout créer. Donc, l'établi regroupe votre coffre, donc votre inventaire. Enfin, votre inventaire, vous pouvez le consulter en plein jeu, mais voilà, vous avez votre inventaire d'un côté et l'inventaire du coffre. Donc, vous pouvez stocker armes, munitions et soins. Donc, voilà.
Ensuite, vous avez la fabrication d'objets, parce que vous n'achetez pas les objets, vous les fabriquez. Par exemple, les munitions, vous utilisez des ressources de ferraille, donc ça coûte 100, j'en ai 13 000, donc je peux recréer comme je veux. Les mini-kits de soins, les kits de soins classiques, les kits de soins max, les dinabars et les recharges de stase. Donc le stase, on expliquera tout à l'heure, hein, monsieur. Oh oui, la stase et la télékinésie, ouais, on l'expliquera directement en plein combat. Voilà, oui. Les améliorations d'armes, donc ça c'est comme tous les displays, hein, pour améliorer nos armes, cadence de tir, etc. Les schémas, c'est des schémas d'armes où vous voyez ressources nécessaires et, voilà, pour la créer, en fait, tout simplement. Et la fabrication d'armes. J'essaie de passer en fait très rapidement, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à dire sur le jeu. La fabrication d'armes qui est, regardez, hop là, on va construire une arme à l'arrache. Donc vous choisissez les matériaux presque bout à bout, enfin pas à pas. Voilà, j'ai créé une arme en fait. Après, je peux rajouter des petites améliorations, une lunette, un renfort de munitions. Bon, voilà quoi, ce genre de petits détails, hop, que je vais mettre dans mon coffre. J'arrête pas de créer des armes. Oui, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec l'établi. Est-ce que tu as un truc à rajouter dessus? Non, 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 t'as expliqué ça clairement et proprement. Je vais. Alors, je tiens à attirer votre attention sur le fait que la lumière de mon casque est renvoyée sur le mur. J'aime bien, moi, ça. On voit aussi, ouais. Tiens, d'ailleurs. Hop, pousse ça, je voudrais que c'est toi qui appuie. Voilà. Merci, monsieur. On peut voir que il y a, bon, c'est le premier qu'on passe, mais il y a pas mal d'ascenseurs dans le jeu. Ils représentent en fait, avec les sas que l'on passe également tout au cours du jeu, les temps de chargement. Mais il faut avouer qu'il y en a énormément dans le jeu et c'est parfois un peu énervant, quoi. Voilà, exactement. Voilà. En fait, ces zones-là sont des chargements cachés. Ouais. Comme les cinématiques. Exactement. On ne peut pas passer. On ne peut pas passer, ouais. Voilà. Qui est vraiment très chiant. Parce que, regardez, non mais franchement, depuis tout à l'heure, on est dans l'ascenseur. Non mais c'est long, quoi. Mmh. Je sais pas. Des fois, ça dure pendant plus de 30 secondes, quoi. Non mais regardez, non mais attends. Franchement, j'ai presque envie de voir on a mis combien de temps, quoi. C'est hallucinant. Donc, alors. Là, il y a des gens qui vont se dire, ok, vous avez des actions en coop. Mais comment ça se passe quand t'es tout seul? Et bien, tout simplement, ces actions coop sont réalisables tout seul. En fait, le gros silo, enfin le gros truc, comment t'appellerais toi le truc que tu viens de baisser? Hmm? Le truc que tu viens de baisser avec la télékinésie, comment tu l'appellerais? Alors aucune idée. Je sais pas, voilà, ce gros truc en fait. Quand on est tout seul, on le baisse et en fait il se maintient tout seul en bas. Et après on a juste à faire retourner le truc en fait. Enfin à tourner le... Une sorte de petit élément avec la télékinésie, voilà. Oui, voilà. Voilà, en fait en solo, tout est fait pour... Oh la sale bête. En fait le jeu de base était fait je pense pour la coop en fait. Hein. Ah ouais. Et en fait en solo en fait il faut juste retirer des trucs, par exemple quand on a une porte à ouvrir et que tous les deux joueurs. Ouh là là, c'est mangé un coup. Ouais. Et que les deux joueurs doivent accéder à un terminal, en fait en solo, tout simplement l'un des deux terminals est éteint. Et donc les joueurs. Alors hop, un petit coup de stase raté, c'était bien. Alors. Donc le stase. T'en as pas parlé, monsieur. T'as dit que tu t'en parlerais quand tu en pleine action. Bah, comme dans les anciens épisodes, il permet de ralentir l'ennemi, d'avoir plus de temps pour lui tirer dessus. Tout voilà, simplement. Et la télékinésie hein, permet de choper des objets. S'il vous plaît, monsieur, c'est bon. Même si comparé aux anciens Space, faut savoir que le moteur physique est quand même beaucoup moins présent, étant donné qu'on ne peut pas tout choper dans l'environnement. Bon, c'était pas non plus le cas dans Deep Space 1 et dans Deep Space 2, mais il y avait quand même beaucoup plus d'éléments dans le décor qu'on pouvait attraper. Et là, qui disait. Voilà, exactement, il y a beaucoup plus d'éléments. Et là, maintenant, on peut ne prendre que les caisses vertes avec, qui contiennent des objets, en fait. Les cadavres, ainsi que les membres des ennemis, les membres coupants pour s'en servir comme armes. Et certaines caisses et certains autres objets en fait qui ont un logo spécifique qui montre qu'on peut les prendre à la télékinésie. Je vais essayer de vous montrer en espérant tomber sur un objet qui a le logo, comme ça vous verrez le logo. Je crois qu'il y en a un sur la droite. Ah non, non. Non, là, monsieur.
Non, je croyais qu'on était dans une autre salle. On peut voir d'ailleurs que... Ouh là 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 là, que je ne meurs pas. Que la télékinésie sert également... Ah, je suis mort. Non. J'ai cru. Voilà. J'ai peur. On peut voir également que la télékinésie permet d'arrêter certains éléments de décor. Ah ben voilà. Oula, joli bug. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ouais, bon. Oui, donc tu disais qu'il permet d'arrêter certains éléments de décor, en fait, pour pouvoir passer. Et on a pu voir également qu'ils ont gardé des zones également en... Zéro gravité. Ah, en zéro gravité, quoi. En voilà. Gravité zéro ou zéro gravité. En zéro gravité. Hop, 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 sale bête. Voilà. Ah. Alors, à savoir, bon, c'est un petit détail, hein, mais il n'y a pas de tirailleurs. C'est con à dire, hein. Franchement, c'est con à dire, mais il y a certaines personnes qui sont intéressées de savoir ça, en fait, tout simplement. Alors, voici le logo, en fait. C'est ce petit logo-là que vous voyez, là, avec l'aimant. Voilà. Voilà, en fait. Quand il y a ce petit logo, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre s'il n'y est pas, bah, vous ne pouvez pas. Et voilà. Ça, c'est complètement... Simplement. On peut voir encore une énigme en coop. Voilà. Bon, quand on est tout seul, en fait, il y a un seul terminal qui est allumé, et là, le joueur contrôle les deux ronds avec les deux joysticks. Voilà. Voilà, voilà. Alors que là, chacun de nous, je contrôle celui de gauche et Akiba contrôle celui de droite. Voilà, exactement. Voilà. Et on peut voir qui lutte. Ouais, non, je sais pas, j'ai un peu de mal aussi. Je sais pas si ça répond mal. Parce que t'as une connexion en carton aussi. Voilà. Bon. Alors. Ouais, je crois qu'on a fait le tour sur les ouais. On peut peut-être parler maintenant de bon bah, on pourra toujours revenir sur des éléments qu'on a pu oublier en cours de test, mais on va peut-être revenir en général sur le scénario dans les grandes lignes vraiment. Oui, on va pas s'attarder dessus parce que tu as dit Space 3 est pas spécialement top. Ouais. Est-ce que tu pouvais nous faire un bref récapitulatif? Alors je tiens à préciser, ça sera mis en description, il y aura un peu de spoil sur cette vidéo. Voilà. Parce que, bah, comme on l'a dit, on ne peut pas passer les cinématiques parce que c'est des chargements cachés pour certains, ou juste c'est eux qui n'ont pas voulu nous les faire, enfin, ils n'ont pas voulu qu'on puisse les passer, ce qui serait relou. Et donc, voilà, sur certaines cinématiques, ça sera, voilà, bah, là, vous allez apprécier la cinématique entre parenthèses. Oui, je disais, est-ce que tu peux nous faire un bref récapitulatif de l'histoire Alors, du 1 et du 2? Là, bon, bref. Hein, personnellement, je les ai fait, mais bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Hein. Alors, dans Dead Space 1, Isaac, qui est un réparateur en communication, un ingénieur en communication, il me semble que c'est un ingénieur tout court. Oui, bon, passons. Et il est envoyé sur l'USC Ishimura pour réparer des liaisons, quelque chose comme ça. Et arrivé là-bas, il se rend compte qu'en fait, le vaisseau a été infecté par une sorte de virus, étant donné que tous les occupants du vaisseau se sont transformés en nécromorphes, en fait, les créatures qu'on a pu croiser là jusqu'à maintenant. Et tout au cours du jeu, il découvre que ceci est à la base causé par un monolithe extraterrestre. Voilà. Et j'ai oublié de préciser également que sur ce vaisseau travaillait sa petite amie Nicole. Voilà, mais qui est également mort dans l'incident. Il a oublié. Morte. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, à la fin de Dead Space 1, il quittait la colonie, et, enfin l'USC Ishimura et la colonie, quoi, en détruisant le monolithe. Voilà. Ouais. Donc, après, dans Dead Space 2, Isaac, en fait, quand il a quitté la colonie, il a utilisé un transporteur, un vaisseau, tout bêtement. Et en fait, je ne sais plus c'est qui l'a récupéré dans ce transporteur. Voilà. Et l'a utilisé, son cerveau. Ils ont utilisé son cerveau, sa mémoire. Pour reconstruire un nouveau monolithe, en fait, dans la station. La Méduse. Merci. C'est pour voir si tu te rappelais. La Méduse, c'était pour construire un monolithe là-dedans, mais en fait ça tourne mal et les gens commencent à se transformer en nécromorphes aussi. Ouais. Et donc Isaac tente de
de détruire le nouveau monolithe qui a été créé et ainsi échapper à ses cauchemars. Parce que, voilà, vu que depuis le premier, comme je le rappelle, enfin non, je ne l'ai même pas rappelé, non, mais tu l'avais dit qu'elle était morte, il voyait en fait le fantôme, on va dire, de sa petite amie morte qui le harcelait toutes les 5 minutes dans le jeu, quoi. En fait, on voyait des représentations d'elle qui n'arrêtaient pas de lui répéter « Ne faisons plus qu'un ». Voilà, ça c'est, la devise, ça c'est la devise de chez, unitologue. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Et donc, dans ce Dead Space 3, on va vraiment faire dans les grandes lignes. Vas-y, je t'arrête si tu dis faux. Pardon ? Je t'arrête si tu dis faux. Vas-y, je te laisse. T'étais oui, parti pour le dire. Oui, oui, oui. Donc, en fait, tu me reprendras si j'explique mal les choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci d'écouter. Isaac, oui, voilà. Bon. Donc, Isaac, en fait, est, comment dire, est réquisitionné, on va dire, comme un véhicule. Bonjour, monsieur, je vous réquisitionne. Parce que il est, en fait, comment dire, l'anti-monolithe. Voilà. T'as déjà vu quelqu'un qui réquisitionne une personne? Ouais, bon, enfin, il est rappelé, on va dire, pour une mission qui est de détruire tous les monolithes, quoi. En général, hein. C'est à peu près ça, non? À peu près. En fait, Isaac est disparu de la circulation, il s'est fait oublier, il a complètement disparu, plus personne ne savait où il était, qu'est-ce qu'il était. S'il était toujours en vie et tout ça, parce qu'il voulait échapper au monolithe, tout simplement. Voilà. Et en fait, il a été retrouvé et ils ont un peu forcé la main pour revenir détruire les monolithes. Ouais. Et donc voilà. On peut voir qu'il y a toujours le système de changement d'armure ici. Voilà. Bon, je vais peut-être montrer vite fait. Donc ici, nous avons l'amélioration des rigs. Donc je monte ça en vitesse, hein, la force, tout le monde connaît, hein, c'est la force. L'air, ça c'est l'air, je peux pas dire plus. Ouais, l'armure, c'est l'armure, la résistance. Ensuite, nous avons le stase, qu'on peut améliorer l'énergie, donc la quantité, la durée, et la vitesse de rechargement du stase. La télékinésie, les dommages quand on prend un objet, qu'on le jette sur quelqu'un, les dommages que ça va faire, et la portée, savoir à combien de mètres on peut choper un objet par télékinésie. Et après, on a bien évidemment les tenues, mais je ne vais pas vous les montrer, parce que bah, je pense que certains d'entre vous ne veulent pas les voir. Alors, je tiens à préciser que la tenue que j'ai, ce n'est pas une tenue que vous débloquerez dans le jeu, hein. Elle est dans l'édition limitée, donc inutile de crier au spoil sur une tenue qu'on débloquerait je ne sais pas quand. C'est une tenue de l'édition limitée. Voilà. Alors là, je donne un exemple, excuse-moi. Je donne un exemple, voilà, regardez. Juste un petit bidon. À la con, on ne peut pas le prendre à la télékinésie, quoi. Non, mais c'est abusé. Comme... Alors que dans l'incension, on pouvait, quoi. Ouais, ouais. J'étais sur les ennemis, bon, ça servait à rien, mais c'était marrant. C'est marrant. Triste, hein. C'est bien triste. Faut savoir que le jeu, on va dire, se découpe en deux parties, étant donné que durant le premier quart du jeu, en fait, on est dans... Ouais, j'ai presque envie de dire, presque la moitié, quoi. Ouais, c'est que les 7 premiers chapitres, hein, sur un total de 19. Hein, voilà. Ouais, après, c'est une bonne partie, quoi, de quart. Hein, c'est un bon quart, ça. Voilà. Et en fait, on se retrouve dans un environnement un peu similaire à Dead Space 1 et Dead Space 2, c'est-à-dire des épaves de vaisseaux, des stations spatiales, quoi. En général. Et après, on se retrouve eh ben, justement sur la planète qu'on peut voir en contrebas. Là. Je sais pas si tu peux la montrer. Ouais, je suis en train de la montrer là. Voilà. Voilà. C'est voilà. Une planète de glace. Ouais, qui est la lune Tovolantis, si je me trompe pas. Voilà. Et à partir du chapitre 8-9, quoi, on se retrouve sur la surface de cette planète. Le chapitre dans lequel on non, arrive sur la planète. Non, mais c'est pas. Parce que là, c'est, tu donnes. Efface l'effet de surprise de quand t'arrives, donc c'est chiant de faire des trucs comme ça. C'est pas vraiment du gros spoil. J'ai jamais dit que c'est du spoil, j'ai juste dit t'es pas obligé de leur dire. Voilà, bon, passons. Faut dire que le gros problème de ce Dead Space 3, vu qu'on en a pas encore vraiment parlé, c'est que comparé aux deux premiers, il est beaucoup plus action. On rencontre beaucoup plus d'ennemis, voire même des ennemis humains. Tu es toujours là? Oui, je t'ai. Donc, vu que je t'entends pas parler, ça me fait bizarre en fait. Tu as peur?
Oui, j'ai peur tout seul dans le noir, monsieur. Attends, je vais sortir ma lampe torche. Voilà. T'es bête, t'es Déjà, bête. on va vraiment finir par croire qu'on est homosexuel. Voilà, comme je l'avais dit dans la vidéo. D'ailleurs, je m'en excuse, c'était Non, tu ne vraiment le redis n'importe pas. quoi. Tu fermes ta gueule, sérieux. Non, je dis plus rien, je dis plus rien. Voilà, ne dis rien. Parce que pour ceux qui n'ont Voilà. pas vu l'autre vidéo où tu disais un truc, mieux vaut pas qu'ils sachent. Voilà. Et Parce que pendant ce temps, il y a la dame d'Avast sur mon PC qui me dit que la base virale a été mise à jour, c'est Ouais, ta super. seule amie. Voilà. Merci. Voilà. Bon, si on continue. Ce Donc, serait bien qu'on voilà. monte la deuxième partie, parce que là, depuis tout à l'heure, on est sur la première Ouais. partie. Je voulais juste arriver jusqu'au passage où on récupérait les mécas charognards, vu que tu n'en as pas parlé en fait. Je peux en parler, hein, vu que j'en ai pas mon main. Oui, bah en fait, bah, je sais pas, tu en as un sur toi pour expliquer ce que c'est? Ouais. Bah, je te Alors. laisse expliquer vu que c'est moi qui ai tout le temps la parole depuis tout à l'heure. Oh là là, ça y est. Et moi, je joue, toi, tu parles. Voilà. Dans le boulot, c'est moi qui fais le truc le mieux. Alors, les mécas charognards, qu'est-ce que c'est? Une petite nouveauté de Dead Space 3, parce que comme vous le savez, on récupère des ressources dans le jeu. Et en fait, ces mécas charognards nous permettent, dans les grandes lignes, hein, de récupérer ces ressources plus facilement, en fait. Là, comme je vous montre, en fait, ils sont équipés d'une sorte de radar, sonar, enfin, c'est comme vous voulez. Hop, alors, j'essaie de trouver la zone. Comme vous pouvez voir, j'essaie de suivre une zone précise pour déposer ce méca charognard, mais cette zone a l'air de ne jamais exister. En fait, voilà, on peut le poser un peu n'importe où, tout bêtement, on va le poser ici, hein, dans l'espace à l'arrache. Et en fait, ce méca charognard. Je me suis mangé une mine, Tana, par ta faute. Ah bon? En fait, ce méca charognard a comme travail d'aller récolter, j'allais dire récolter, récolter des ressources, c'est-à-dire ferraille, du gel, etc. Il doit aller les chercher et puis ensuite me les ramener sur mon établi, non mon établi je veux dire. Voilà, en fait le méca charognard il sert juste à ça, à Voilà. récupérer des ressources Mmh. où on ne Faut peut pas savoir accéder. que, faut savoir comme tu disais tout à l'heure, que ce système de ressources est très important dans le jeu, étant donné qu'il permet de faire quasiment tout, c'est-à-dire améliorer son rig, fabriquer des armes. Voilà, améliorer ses armes, non améliorer ses armes c'est autre chose. Ouais. Je suis con. Ouais. Voilà, à savoir aussi qu'il y a des munitions universelles, hein, comme tout le monde le sait. Ouais. On La peste disait des justement dans controverses. la démo que c'était peut-être un mal, mais en fait, finalement, c'est pas tant un C'est pas mal si que mal que ça. ça, voilà. Ouais. Voilà. Bon, je vais quitter cette première partie de vidéo là. Enfin, voilà, on Voilà. arrive justement à l'épisode 5. Voilà, pour éviter de vous spoiler, je quitte. Et on Voilà. va lancer un autre chapitre, je pense plus au 9, un truc comme ça. Oui, voilà, oui. Où on est justement sur la Lune. Comme ça, vous allez voir un peu l'environnement enneigé du jeu, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Alors. Si tu me donnes 2 secondes, le temps que je crée la partie. 1, 2, Voilà. t'as créé ou pas? C'est Ouais. nul, je sais ce Je que je viens de ne faire. commenterai même pas ça, quoi. Je sais que c'est nul, mais l'expression en elle-même est nulle. Donne-moi 2 secondes, dis-moi, donne-moi 2 minutes. Là, Voilà. je compterai pas. Passons. Donc, on va Donc, partir sur. Vous sur verrez la note. juste sur le 9, voilà. Ouais. Justement, attendez. Donc, je tiens quand même à préciser que pour ceux qui ont fait Dead Space 1 et 2 et qui n'ont pas encore acheté le 3, quelle qu'en soit la raison, à savoir le jeu, en fait, comme tu l'as dit, hein, dans la première partie où on est dans l'espace et tout, ils ont tenté de refaire un peu Dead Space 1, Dead Space 2, voilà, nous refaire des effets de peur, de claustrophobie pour certains endroits. C'est foiré, faut dire ce qu'il y a, c'est foiré quoi. À aucun moment moi personnellement, j'ai sursauté, à aucun moment j'ai été stressé. Voilà quoi. Très franchement, au niveau de la peur, on l'a perdu totalement. Et je dis pas ça parce que je joue en coop, parce que le fait de jouer en coop, on le perd déjà cet effet de peur. Mais j'ai fait le jeu en fou furieux, la plus grosse partie, en tout seul jusqu'au chapitre 15. Et durant tout ce temps-là, bah. Voilà quoi, et même le début du jeu, d'ailleurs quand on venait d'avoir le jeu Tana, vu que toi à un moment t'étais pas dispo, je sais pas si tu te rappelles que j'avais fait toute la première partie tout seul. Oui, exact, oui. Exact. La seule peur qu'on a, en fait, c'est quand on fait le jeu en fou furieux, là, c'est la peur de mourir, en fait. Exactement, en fait, c'est la Ouais. seule peur qui a existé, je dirais. Ouais. Parce que très franchement, et en fait, Visceral, pour moi, je trouve, a fait une erreur, c'est qu'il marche trop dans la même optique, dans le même système. Ouais.
du fait que on avance et on se doute à quel moment il y aura des ennemis qui vont apparaître, à quel moment il y aura une scène qui est censée faire peur, mis à part la scène du flipper, qui m'a pas fait sursauter, mais m'a surpris. Mis à part cette scène-là, tout le reste, très franchement, c'était prévisible, mais à 10 km, quoi, c'était hallucinant. Oui, c'est sûr. Ils ont vraiment enlevé tout ce qui était horrifique un peu dans ce jeu, quoi. C'est bon, c'est sûr, il y a des nécromorphes, par exemple, quand on est sur cette planète qui sortent d'en dessous de la neige, quoi. Bon, quand on s'y attend pas, c'est sûr, on fait peut-être un petit sursaut, mais ouais, voilà, quoi. Voilà. Pourquoi t'en as pris? Ah, bah, je sais pas pourquoi. Comme ça, il y en aura deux. Là, Ouais. vu qu'on est dans un bâtiment, on va peut-être ressortir à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en dis, juste pour montrer un peu Ouais, pourquoi pas, comment. ouais. Pour leur montrer. Bah, en même temps, ça permettra de montrer le truc qu'on a dans le dos. Attends, je crois qu'on peut pas sortir. Ah, si, on peut On peut sortir sortir. tant On que. pourrait pas. Ouais, On voilà. pourrait pas. Bon, là, on suit pas Donc. la ligne conduite du scénario, mais au moins. Voilà. Donc ça vous permettra aussi de voir le truc qui est dans notre dos, le 37 degrés Celsius. Parce qu'il y a le système de... Oula. Voilà, les ennemis sortent du sol. Ouais, voilà. Ah, je suis méga PK, putain. Et c'est censé nous faire peur, hein? Voilà, là on est censé, en fait, bon, pour la première fois qu'on arrive, on est censé faire... Oh putain! Oh alors, bien joué! Bah très franchement, dès que je suis arrivé là, bah... voilà, quoi, c'est... J'ai pas eu peur. Bon certes, c'était pas prévisible ce coup-là. Faut pas abuser non plus. Mais c'était pas l'effet de surprise que j'avais eu dans Dead Space 1, je me rappelle. Rien que le début de Dead Space 1, quand les nécromorphes attaquaient, tu courais et tu les entendais courir dans les conduits d'aération, tu les voyais, il y en avait, ils sortaient des conduits et tout ça, c'était. Voilà quoi, t'étais stressé, t'es oh merde, ils sont. Là, voilà quoi. Le seul stress qu'on a à ce niveau-là, c'est quand ils sont pleins et qu'on n'a pas une arme adéquate à gérer une foule d'ennemis, quoi. Ouais, C'est tout à tout, fait. je pense que c'est le seul stress. Après, pour toi, je sais pas, Ah mais moi, voilà quoi, j'ai été déçu à ce niveau-là. Au niveau scénaristique, bon, on en a parlé un peu, mais je veux bien qu'ils ont voulu terminer l'histoire. On a appris 2-3 choses en plus, d'ailleurs, tu fais le bug là. On a appris 2-3 choses en plus, d'ailleurs, au niveau scénaristique, bon, on n'en parlera pas, parce que bon, ça pourrait spoiler. Ouais, voilà quoi, ça tourne toujours autour du même chose. On a l'impression que Visceral Game tourne en rond avec le scénario. Voilà quoi, dans le 1, il découvre l'existence du monolithe, Ouais, donc il voilà. le détruit. C'est tout à fait normal, le scénario tient plutôt bien la route. Dans le 2, ils sont servis de son cerveau, de ce qu'il a connu dans le 1 pour en créer un nouveau. Du coup, lui, il va le détruire. Donc là, c'est normal. Et là, Dans comme le par 3, on hasard, on vient le apprend. chercher pour aller détruire un monolithe. Ouais, bah là, ça serait bien de changer, voilà quoi, je sais pas, de... Voilà, je sais pas, le scénario m'a un peu... Voilà, il y en a sûrement qui ont... T'es parti où, toi? Non, non, mais on va reprendre la ligne de scénario là. Je voulais juste montrer un peu l'extérieur. Ouais. Bon, sans raconter évidemment, sans parler également de la fin qui est vraiment ridicule, quoi, je trouve. Moi, personnellement, elle ne Bah, m'a très pas plu. franchement, j'ai vu un truc sur, je crois, le forum de jeuxvideo.com, où un gars a dit un truc très bien. C'est que c'est le même éditeur, du coup c'est le même style de fin que Mass Effect 3. Ouais. D'ailleurs, au passage, on salue les contributeurs du forum de Dead Space 3 et même des autres forums, étant donné que certains d'entre eux regardent nos vidéos. Voilà, Voilà. et j'en salue certains qui m'ont aidé pour le mode fou furieux. Ils ne verront sûrement pas cette vidéo, mais je les salue quand même. Voilà quoi. Là ça fait très lèche-botte-jeux-vidéo.com, mais on s'en fout, on vous emmerde. Voilà, c'est Non, tout à ça a le fait mérite ça. d'être direct quoi. Oui, c'est où la porte? Elle est là. Ici, ouais. Voilà, ouais. Après, après, ce qu'on peut dire aussi, un petit point positif, enfin un petit point, oui, c'est un point positif quand même pour le jeu, c'est que le bestiaire a un peu changé, on a des nouveaux ennemis, il y a des nécromorphes, enfin des ennemis qui ont changé. Je pense notamment aux sortes de chiens, bébés, tentacules, là, qui ont des tentacules dans le dos qui tirent dessus. Là, c'est vraiment des chiens et des têtes de chiens. Ils ont changé au niveau design, des niveaux style, niveau gueule, cela. C'est plutôt sympa. Après, on a des nouveaux ennemis. Bon, voilà quoi, ils ont un peu changé le truc. Après, ouais, ils ont voulu placer le truc au niveau action. Oui. Ouais, non. Quoi. Non, fallait pas faire ça, les gars. Non. Parce Non. qu'on tombe dans une certaine monotonie du jeu. On joue
Ouais, il y a des ennemis au shoot. Ouais. Le fait qu'ils ont voulu donner un côté beaucoup plus TPS à ce jeu, c'est complètement raté, rien que quand on voit le système de couverture, étant donné qu'il se base juste sur le fait de se baisser comme je suis en train de le Voilà. faire, Ouais, derrière un mur, quoi. Voilà, c'est ça le système de couverture. reste baissé, puisque là on va pouvoir peut-être montrer un petit élément en plus, c'est l'infiltration. D'accord. Parce que même si ça n'existe quasiment pas, faut pas se croire dans un Metal Gear, un Splinter Cell ou je ne sais quoi d'autre, l'infiltration n'existe quasiment pas, mais ils ont essayé quand même de placer un mini système d'infiltration, du coup on s'accroupit comme ça, Voilà. et on Bon. marche. On C'est a tout. pas l'air con. Et je te jure, ouais. Alors, le but est de passer discrètement comme ça. Sans Alors on va qu'il nous voie. essayer sans qu'ils nous voient. Voilà. On peut voir des membres de ma famille, justement, là. Voilà, ouais, des zombies tout maigres, parce que je tiens à préciser que Tana est un gars de leur famille. D'ailleurs, t'es Voilà. pas en train de, tu t'aurais dû être en train de dîner avec eux, là. Ouais. Alors, hop, alors on doit passer par là. Alors non, Ah, je connais la route. je te suis, Chut, hein. chut, 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 attention, attention. Attention. Faut savoir que là, on essaye de faire un trophée succès. Oui, en fait, je me sers du fait qu'il y a un petit côté infiltration Voilà. pour vous le montrer, bien évidemment, mais aussi pour faire mon trophée, parce qu'on est Voilà. un peu achievement hunter, trophy hunter, chasseur de trophées, chasseur de succès, comme vous voulez. Je crois qu'il Et n'y en a plus, là. Hein. ouais, non, il n'y en a plus. Mais c'était Et jusqu'à donc, cet endroit-là, en fait, je ou... sais pas. Ah, d'accord. Et peut-être on l'a foiré, parce qu'à un moment j'ai avancé, j'ai Voilà. vu des zombies qui a Et levé peut-être. Ah bah si, voilà, ça y est, petit voilà. creux. Donc voilà, vous connaissez maintenant comment débloquer un trophée caché À du cet jeu. endroit-là. Voilà, on fait un vidéo test et guide vidéo. Voilà. Donc Encore un système d'énigmes là, justement. voilà, énigme tout Voilà. moi. Une énigme toute moisie. Là, c'est celui du centre qui est mal tourné là. Ouais. Voilà. Alors, attends. Faut que tourne-le encore. Voilà. Parfait, voilà. Et le Ouais, mais non, dernier. c'est pas parfait Ah alors. non, c'est pas bon? Ah non, je pensais. Alors c'est la boule là qu'il faut qu'il soit en haut. Là. Non, attends. Je vais te filer un coup de main. Vous voyez bien comment on galère. Faut Non, dire mais qu'on j'y a plus. arriverai sans toi, toi. Faut dire qu'on n'a plus grand chose à dire non plus sur le Ouais, jeu, après, quoi. on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est, bah, ça reste un bon jeu. Ouais. Ça reste une conclusion à l'histoire de Dead Space. Une Voilà. conclusion. Pas vraiment, Oui, non. si, ça reste une conclusion. Si tu pouvais ne pas induire les gens en erreur, ça serait bien aussi. Si tu vois ce que je veux dire, Oui. hein, ça serait bien. Ça reste une conclusion, comme je disais, à Dead Space, par rapport à, bah voilà quoi. Ils ont voulu faire une trilogie. Bon, voilà, le dernier épisode est un peu décevant. Ouais. Un peu décevant, ils ont voulu en En même faire un, temps, je sais pas, un Gears of War-like, un Call of Duty-like, je sais vous pas. remarquerez, je crois que Dead Space 1 n'était pas encore en charge. Enfin, il n'y avait pas encore de partenariat avec EA, je crois, à l'époque de Dead Space 1. Et depuis 2, Je en sais fait, plus, t'es bon, sûr? je sais pas, peut-être je raconte des bêtises, hein, mais. Il semble, hein, que tu racontes de la merde. Ah, Il me semble. Bon, alors là, comme vous pouvez voir, encore une énigme. Hein, des énigmes super compliquées. Voilà. Voilà. C'est pour. Ouais. Après, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter de plus. Hein. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, toi? Non. On va peut-être. On peut peut-être parler d'un petit détail, c'est l'aspect graphique du jeu qui n'a pas évolué par Ah oui, rapport au on 2. n'en a pas parlé. Oui, c'est exactement le même moteur que le 2, quoi. Voilà, ils ont juste amélioré, je pense, les effets de lumière et tout ça. Moi, je les trouve plutôt jolis, je les trouve réussis, mais en même temps, Visceral Game, comme j'ai dit, enfin, comme j'ai toujours dit, parce que, bon, à vous, je vous l'ai pas dit, mais j'ai toujours trouvé qu'ils géraient à ce niveau-là. Ouais. Après, alors. Hop, alors, hop, voilà. J'ai toujours trouvé qu'ils géraient vraiment à ce niveau-là. Après, voilà, quoi, ils auraient peut-être pu améliorer un peu le moteur graphique, parce que quand on regarde la tête d'Isaac, attends, bouge pas ta tête, bouge pas, Ah ouais, non, je bouge bouge pas! Voilà. Voilà les cheveux, moi je me pose un peu pour le maintien. Qu'est-ce que tu fais là, Tata? Voilà. Ah voilà. Bon, il fallait bien quand même quelques ennemis. Ouais, bah oui. Allez, voilà. Voilà. Bah d'ailleurs, on finit cette scène et on va vous laisser sur ça. Bon, Voilà. notre avis Ah. sur le jeu, Juste un dernier détail, parce qu'on n'en parle jamais dans les vidéos, c'est peut-être la bande son. Parce que c'est un détail important dans Dead Space, je trouve, parce que dans le premier, on avait des effets sonores assez bons.
Bon, personnellement, si j'ai rien à dire dessus, elle est très très bonne. Hein. Voilà, ouais. Mais sur celui-là, franchement, dans toute la première partie, on se replonge un peu dans l'ambiance Dead Space avec les bruits dans les conduits et tout ça. Autant dans la partie sur la planète. Voilà, quoi. On n'est pas dans une ambiance horrifique, en fait, on est vraiment dans une ambiance gunfight, etc. Elle est bonne, hein. Elle est bonne, la bande-son, l'ambiance, les bruits sonores... Enfin, les bruits sonores, j'ai dit. T'as déjà vu un bruit sonore ? L'ambiance sonore. Voilà, ouais, l'ambiance sonore et tout ça, elle est vraiment bonne. Après, je suis un peu dégoûté que sur la partie de la planète, on perd l'ambiance Dead Space, c'est-à-dire les bruits dans les conduits, et voilà, quoi. Même si quand on est sur la planète, il y a pas mal d'environnements intérieurs, comme on peut le voir actuellement, quoi. Hein. On passe dans beaucoup de structures... d'habitation, on va dire, ouais. Même si c'est pas vraiment des habitations. Je dirais plus de structures scientifiques, etc. Voilà. D'ailleurs, on va peut-être s'arrêter là pour pas montrer ce qu'il faut. Ouais, pour pas montrer la tenue, justement, qu'on récupère à ce moment dans le jeu. Juste, on va terminer pour. On va chacun donner notre avis un peu sur le jeu. Ouais. Après, tu me diras si t'as le même que moi. Personnellement. Ouais. Légèrement déçu par ce Dead Space 3, je m'attendais quand même à retrouver un petit côté horrifique qui a été clairement remplacé par un côté beaucoup plus action. Mais bon, en soi, ce n'est pas un mauvais jeu, quoi. Il est entre le TPS et le jeu horrifique. Et de mon côté, j'ai quand même passé... un bon moment à le faire en coop avec toi. Je trouve quand même que l'idée d'avoir mis en coop, c'est tout de même pas mal, quoi. Ouais, bah je crois que ça c'est l'un des points les plus forts du jeu, quoi, le mode coop. Ouais, ouais. Bah, voilà, moi j'ai terminé, hein, de mon côté. Bah très franchement, moi le jeu, bah déjà tu dis que t'es un peu déçu parce qu'ils ont un peu remplacé le côté horrifique par le côté horreur. J'ai presque envie de dire, j'ai pas vraiment été déçu à ce niveau-là parce que je m'y attendais. D'une part, quand on a joué aux deux, ils avaient déjà commencé à passer un peu plus au côté action que horreur, et dans le 3 ça a été beaucoup dit comme quoi que ça serait encore plus action. Du coup à ce niveau là je m'y attendais déjà. Après, on est quand même pas devant un Resident Evil actuel, quoi, hein. Voilà, ouais. On n'est pas devant un Resident Evil où dès qu'on passe une salle, hop, il y a des ennemis, faut bourriner comme un bourrin, hop, on passe une salle, il y a encore des ennemis. Non, on est vraiment dans la, comme tu l'as dit, entre horreur action. Même si l'horreur est pas vraiment existante, en fait, dedans. Je trouve pas... Enfin, moi, j'ai pas senti le moindre truc horrifique dedans. J'ai senti une tentative de mise en scène, mais c'est tout. Et en plus, ils étaient prévisibles. Donc, au niveau horrifique, non. J'ai vu que dans la première partie dans l'espace, ils ont voulu remettre un peu l'ambiance Dead Space 1, mais vu que tout le monde la connaît par rapport à si on a fait le 1 et le 2, bah, c'est foutu, quoi. Je veux dire, il fallait changer un peu la donne. On a plus le bénéfice de la surprise qu'on avait dans les deux premiers, quoi. Voilà, exactement. Bah, surtout que toute la première partie se rapproche vraiment du premier épisode avec l'épave et tout ça. Ouais. Mais après, mais là, voilà, quoi. Voilà, on a plus rien. Ça marche pas, quoi. Il fallait tenter autre chose, les gars. Je suis désolé, mais bon, voilà, il fallait tenter autre chose. Peut-être moi, de mon côté, je vous le conseille peut-être pas au prix fort, le jeu, hein, peut-être à l'occasion, à l'avenir, si vous êtes pas encore, si vous hésitez pour ce jeu, quoi, voilà. Après, je sais pas si t'es du même avis que moi sur ce point. Pas tout à fait, non. Moi, je conseillerais le jeu tout simplement, même au prix fort, à des gens. D'une part, ils ont un pote qui l'ont ou qui compte l'acheter, parce que sans la coop, franchement, c'est un peu chiant, je vais pas le dire. Voilà. J'ai fait pas mal tout seul, bon, c'était un peu chiant parce que les endroits, je les connaissais tout ça. Et si vous avez fait les deux premiers épisodes, je le conseille même au prix fort. Avec ces deux conditions, si vous avez fait les deux premiers et si vous avez un pote avec qui jouer. Si vous n'avez pas ces deux conditions-là, là, c'est vrai, peut-être que si vous avez fait les deux premiers, je vous le conseillerais quand même, histoire de faire le dernier épisode. Sinon, si vous avez fait aucun Dead Space, laissez tomber, j'ai envie de dire. Voilà, ouais. Laissez tomber, bon, vous n'allez pas aimer du tout. Tu t'embrouilles, je crois que de toute façon, on va... Non, voilà. je m'embrouille pas. À quel moment je me suis embrouillé? Oh, bon, je sais pas, non. Bref. Bon, en gros, si t'as fait le 1 et le 2, oui, et que t'as un pote qui a le jeu, moi je conseille de l'acheter, même au prix fort. D'accord. Si t'as pas de pote avec qui jouer, oui, je le conseille un peu au prix fort. Ça dépend comment tu aimes Dead Space, parce que oui, ça fera le dernier épisode. Mais si t'as jamais joué à Dead Space, je le conseille pas.
Ouais, voilà. Ouais. Commencez par le premier, voilà. Voilà. Voilà, si vous avez envie d'avoir peur, refaites le premier et le deuxième, quoi. Exactement. Quoique, voilà. Refaites le premier tout court, le deuxième ne fait pas vraiment peur, hein, je trouve. Oh. Franchement, à des moments, je regrette qu'il n'y ait pas le tir à l'île. Non mais attends, à quel moment t'as eu peur dans le 2, dis-moi. Non, c'est clair, oui. Bon, il y avait quelques moments quand même. Le 2, franchement, le seul moment que j'ai vraiment adoré, c'est au tout début du 2, quand tu vois le mec se transformer en nécromorphe devant toi. C'était vraiment excellent. Bref. Bon bah, on est déjà à 40 minutes de vidéo, donc ça serait bien de conclure cette vidéo. Voilà. Donc tout ça pour dire que Tana le conseille un peu, moi je le conseille aux fans. Voilà. Aux fans, ouais. Donc voilà, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, j'ai tout dit sur le jeu. T'as tout dit? Bah donc je peux clore cette vidéo avec ma phrase mythique. Oui ou non? Oui, je te laisse dire. Qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es non. Bizarre, casse-toi, t'as ton cheveu. Merde, je vais mettre dans mon coin, laisse-toi tranquille. Je te laisse. Non, mais regardez-moi ça. Je te laisse le mot de la fin, oui. Non, mais t'as raison. En plus, c'est ce que tu fais dans la vraie vie, tu me lâches le cul, c'est vrai. Je dois l'avouer. C'est vrai. Ouais, bon, on trouve toujours des choses complètement idiotes à faire dans nos vidéos. Allez. Exactement. Salut les amis. Bah, nous, on vous souhaite une bonne journée ou soirée, ça dépend quand vous regarderez. Ciao, bye bye. Bye.